6 faits méconnus sur l'Ouzbékistan. Fait numéro 1. L'Ouzbékistan est l'un des deux seuls pays au monde à être doublement enclavé. Ce pays enferme aussi dans ses geôles quelques 6000 croyants musulmans indépendants et militants politiques opposés au gouvernement. Et les tortures, soit dit en passant. Fait numéro 2. Le métro de la capitale est éclairé par des lustres. Ses piliers et ses plafonds sont en marbre. Tashkent est considérée comme l'une des plus belles stations de métro au monde. Ses nombreux centres de détention souterrains ne sont pas aussi opulents. Fait numéro 3. L'Ouzbékistan produit des broderies parmi les plus colorées, les plus complexes et les plus belles au monde. En Ouzbékistan, les tortionnaires manient aussi régulièrement des aiguilles qu'ils insèrent sous les ongles de leurs prisonniers innocents pour leur arracher des aveux. Fait numéro 4. Lors de la Journée internationale de la femme, les femmes reçoivent traditionnellement des bouquets de fleurs. En prison, les femmes reçoivent des coups, sont déshabillées de force, puis violées en réunion. Fait numéro 5. En Ouzbékistan, les gens croient que placer le pain à l'envers porte malheur. Dans les centres de torture d'Ouzbékistan, estimez-vous chanceux si l'on vous donne du pain. Fait numéro 6. En Ouzbékistan, la population est très hospitalière. L'hôte de marque est toujours assis le plus loin possible de la porte d'entrée. En Ouzbékistan, les salles de torture manquent de chaises. On préfère y stocker des équipements à impulsion électrique, des matraques en caoutchouc et des tenailles.